Alors ici donc voilà ce qu'on va faire. Donc on va démarrer. Donc ça c'est ce qu'on a fait la dernière fois. Nous avons en fait le service. Je vous rappelle que nous allons démarrer Discovery Service. Donc c'est ça. Alors Discovery Service est un service qui utilise le port 8761. Donc on va le démarrer. Ensuite, on va démarrer en fait Customer Service. Alors, Customer Service, c'est un service qu'on a créé. Ça, c'est l'application. Alors, en fait, Customer Service, pour sa config, pour le moment, il y a une base de données locale H2. Il utilise le port 8081. Et après, il va se connecter à Eureka Server pour s'enregistrer. Et puis on démarre Account Service. Alors Account Service, il a la config. Donc ça c'est le nom du microservice. Le port c'est 8082. Et voilà, la même chose. Et après nous avons la Gateway. Alors Spring Cloud Gateway Service. Donc c'est un service que nous avons créé la dernière fois. On va le démarrer. Alors Spring Cloud Gateway, il a cette configuration. Donc le port c'est 8888. Et après donc il se connecte, il démarre. Et donc une fois que les microservices sont démarrés, vous voyez donc ici les quatre microservices, on pourra les tester. Alors ici. Je suis pour la communication interne, OpenFile. Bah, OpenFile, c'est déjà réglé. On a déjà parlé de ça la dernière fois. Donc, quel stade, monsieur, au niveau du projet? Comment? Où se trouve le site service de mon projet, monsieur? On rappelle plus de ça. والله ما كنسمعكش مزيان عرفتي ما عرفت علاش واش بلاتي نزيد الصوت Je crois que le micro chez moi a un problème. Monsieur, pour l'OpenFile, on se trouve sur le projet parce que oui ce qui se on n'a trouve pas sur le le. projet Oui. alors ça j'avais déjà parlé de ça la dernière fois donc je veux pas trop revenir sur les détails mais au niveau de account service donc je vous rappelle bon déjà je regarde déjà un peu ce qui se passe donc ici localhost ici si vous allez vers Eureka Discovery donc c'est 8761 j'ai copié le son alors il est où ce C'est audible, monsieur, c'est audible. Vous m'entendez? Oui. Non? Ah. Donc si je voilà. Alors si je consulte donc Eureka Discovery, donc je vois bien que les microservices sont enregistrés. Il y a Account Service, Customer Service, Gateway Service. Et puis donc pour contacter les microservices, donc nous avons utilisé une configuration dynamique. On peut contacter la Gateway directement. Alors la Gateway utilise le port 8888888888888. Alors, si vous demandez à la Gateway, je veux le nom du microservice Customer Service. Donc, c'est Customer Service slash Customers. Alors, Customer Service slash Customers, il y a un S qui manque. Alors ici donc je suis dans cette situation-là donc customer service slash customers donc ça permet de retourner en fait les customers donc il n'y a pas de problème si je demande account si vous mettez slash customer slash 1 ça on a déjà fait donc ça c'est bon c'est-à-dire si je demande à la gateway toujours la gateway hein, je suis en train de passer via la gateway. Alors, si je demande account service slash accounts, donc j'ai les comptes, oui. Et ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que quand je regarde un compte, ben je vois le compte et je vois son client.
Donc ici, donc, je vois les informations sur le client, le nom, le prénom. Mais les informations sur le client, on va les chercher où? C'est chez le microservice Customer Service. Et donc c'est là où il y a cette communication Open File entre les microservices. Alors si je demande un compte quelconque, ça, on a réglé ce problème. Donc ici, donc, je vois bien les informations sur le client. Donc je vous rappelle comment on a fait ça pour répondre à ta question. Alors au niveau de Account Service, nous avons l'entité Bank Account, nous avons la classe Customer. Donc vous voyez donc Customer ici, ce n'est pas une entité GPA. Donc je rappelle que au niveau de Customer ici, nous avons utilisé Transient. Donc ça, j'ai déjà expliqué ce que c'est la dernière fois. Et puis, nous avons l'interface OpenFine, Clients. Alors, pour créer une interface OpenFine, ça, c'est une interface très intéressante. Find Client, donc je demande voilà, le nom du microservice que je veux contacter. C'est Customer Service. Et je déclare des méthodes. J'ai une méthode Find Customer by ID. OK? Je lui donne le ID et il va me retourner le Customer. Donc, ici, j'utilise GetMapping slash Customer slash ID. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'appelle la méthode Customer by ID de cette interface, qu'est-ce qu'il va faire OpenFine? Il va envoyer une requête HTTP. Elle reste vers quoi? Vers quel service? Customer Service. Avec quelle méthode? Avec la méthode Get. Ben, il va lui fournir le ID. Il récupère le Customer et il me retourne le Customer. Donc, c'est pour cela qu'on dit que OpenFine, c'est un framework qui est déclaratif. D'accord? Alors, la même chose, nous avons créé la méthode all customers qui permet de retourner tous les customers. OK? Et puis, nous avons utilisé le circuit breaker, donc avec résilience forgée. Donc, ici, donc, pour utiliser le circuit breaker, donc, il suffit d'utiliser la notation circuit breaker et vous donner un nom quelconque si vous voulez paramétrer la configuration. Ici, pour le moment, on a utilisé la configuration par défaut. Et surtout fallback méthode. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous appelez la méthode find customer by ID, qu'est-ce qu'il va faire OpenFine? Il va envoyer une requête vers quel service? Customer service. Et s'il y a un échec, c'est-à-dire s'il y a un échec, ben vous n'allez pas retourner not found, là, une exception au client. Parce que ça, c'est la tolérance au pane. Ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va le circuit breaker. Il va passer vers ce qu'on appelle le circuit ouvert. OK? Et donc, il va faire appel à semi-half open, si vous voulez. Il va faire appel à la méthode getDefaultCustomer. Et la méthode, quand il y a un échec, cette méthode-là, enfin, le circuit breaker, il va faire appel à getDefaultCustomer. Et getDefaultCustomer, donc nous avons fait la dernière fois ça. Qu'est-ce qu'il permet de faire? Ben, il permet de créer un simple customer avec not available, des choses comme ça. Donc, ce qui fait, ça, c'est la solution de tolérance aux pannes. C'est bien ça, résilience forgée, c'est comme ça qu'on règle. Et la même chose ici, quand on veut appeler all customers, à chaque fois que les clients restent, à chaque fois que vous envoyez une requête vers un service, il faudrait penser à utiliser un circuit breaker. Pourquoi? Parce que s'il y a un échec, l'application ne doit pas échouer. Il faut donner une alternative. C'est quoi l'idéal? L'idéal, c'est de chercher le customer dans le cache. Regardez dans le cache, est-ce qu'il n'y a pas déjà ce customer dans un cache local? S'il y a le cache local, on le récupère et on va le retourner. Donc, ça, c'est des méthodes default. Ça, c'est si vous voulez, ce qu'on appelle les fallback methods. Donc, ça, c'est des méthodes fallback. Oui, ben, vous faites ce que vous voulez ici. Donc, fallback méthode, c'est à vous de, par exemple, si le microservice ne vous répond pas, vous pouvez vous connecter là où vous voulez, vous cherchez la donnée, vous la donnez. C'est-à-dire, quand il y a un échec, je ne vais pas je vais pas envoyer au client l'échec. Quand vous contactez, par exemple, Facebook, il vous donne toujours la réponse. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des échecs. Parfois, quand il y a un échec, il vous donne quelque chose. Mais vous ne savez jamais qu'il y a un échec. Pourquoi? Parce qu'il vous donne,
Il ne vous donne pas une information actualisée, mais il vous donne quand même la dernière information que vous avez consultée. Bon, ça fait partie des solutions de tolérance aux pannes. Donc, voilà. Donc, ça, c'est en fait ce que nous avons fait la dernière fois. Alors, d'ailleurs, pour voir la solution de tolérance aux pannes, on a testé ça. Quand vous consultez, par exemple, ce compte-là, vous voyez, donc là, ça vous donne le nom. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on va arrêter, on va forcer l'arrêt de, par exemple, Customer Service, ici. Customer Service, je vais l'arrêter. Donc, ça veut dire qu'il y a un échec qui devrait y avoir. Et quand je consulte, regardez. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire, j'ai toujours le client, mon système fonctionne, mais il me dit, voilà, tu as le client. De toute façon, tu as les informations. Pour le client, pour le moment, il n'est pas disponible. Mais ce qui peut-être ce qui t'intéresse toi, c'est que le solde, etc. Donc c'est un peu c'est ça ce qui est intéressant. Alors maintenant on va passer à la partie configuration. Alors pour créer donc notre alors je vais démarrer à nouveau donc Customer Service. Alors pour le service configuration donc voilà ce qu'on va faire. Donc, config service. Donc, voilà, on a déjà créé le au début. Donc, on a créé notre projet. Alors, ce projet-là, les dépendances principales. Donc, je vous rappelle, c'est config Spring Cloud config server. Et après, Discovery Client. Et c'est tout. Et après, Actuator. Donc, ça, c'est les dépendances que nous avons utilisées. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va créer dans notre projet, on va créer un dossier, un folder, que je vais appeler config repo. Alors dans ce config repo, je vais créer des fichiers, file, application.properties, Alors, par exemple, dans Application Properties, je vais créer des paramètres comme global. Après, on va ramener les choses global.params. Par exemple, A égale 33. Global.params.b égale, par exemple, 22. Et puis, je vais créer un fichier pour Customer Service. Properties. Point properties. Alors ici donc pour global, on va les appeler P1, P2, P1, P2 ici. Alors pour appeler customer service properties, je suppose par exemple customer.service par exemple. Service customer.params. Par exemple x. Bon, on va mettre juste des valeurs quelconques, 44. Customer.params y égale 11. Et puis je vais faire copier-coller, CTRL C, CTRL V. Je vais créer un fichier customer service dev.properties. Dans lequel dev properties, dans lequel x va être égal à 1, y égal à 2. CTRL C, CTRL V, je vais créer le fichier customer service prod.properties pour lequel x égale par exemple 99, y égale 77 pour faire la différence. Et on va faire la même chose. On va créer le fichier account service.properties. Account service.properties. Alors pour account service.properties, account service.properties, on va mettre un paramètre A égale 3. Et un paramètre B égal à 4.
Alors pour account service.properties, donc je vais y créer le profil dev. Alors pour le profil dev, A égale 31, B égale 41. Ctrl C, Ctrl V. Et pour le profil prod, le paramètre A égale 33 et B égale 44. Voilà, alors ça c'est en fait ça c'est un dossier pour le moment. Ben, ce dossier ça doit être un repository Git. Donc je vais l'ouvrir sur la console, open in terminal. Alors vous voyez ici, donc je suis dans bien le dossier. Alors ce dossier-là, il peut être n'importe où, hein, donc c'est-à-dire il peut être en dehors de votre projet, bien sûr. Alors ici, donc pour que ce soit un Git repository, il faut utiliser Git init. Il faut initialiser, il faut faire Git add et vous faites un premier commit. Commit, first commit. Voilà, donc ça c'est, vous avez fait un first commit. Alors maintenant, pour configurer le service de configuration, ben, vous aurez besoin juste d'utiliser la notation enable config server. Et puis dans le fichier de configuration ici, vous avez besoin de spécifier application name, config service, c'est le nom du service, et le port 9999. Et surtout, Spring Cloud Server Git URI. Alors, c'est quoi l'URI ici? C'est file, deux points, double slash. Alors, tout ce chemin-là, ben, je vais faire ici, ici, je vais prendre ce chemin que vous voyez ici, jusqu'à le dossier. C'est-à-dire le chemin de mon dossier. File, deux points, double slash, et vous mettez le chemin. Finalement, il y aura trois slash. Parce que les double slash, ça fait partie de l'IORI, parce que l'IORI, il faut toujours avoir le type de point double slash, et après, mais le reste, c'est un slash, le chemin ici pour le moment. Alors, pour le moment, je peux démarrer le service, et on va regarder si ça marche. Alors, je démarre donc config server. On va essayer donc de voir avec notre navigateur. Alors, pour tester, si vous mettez localhost, le port, c'est 9, 99 slash, si vous mettez application slash default, regardez ce qu'il vous donne. Ben, il vous donne la configuration qui se trouve dans application.properties. Si vous lui demandez, je veux la config de customer service, customer service slash default. Voyez donc, vous avez la config de customer service. Il vous retourne ce qui se trouve dans application properties A, B. Et il vous retourne X, Y qui se trouve dans CustomerService.properties. Ben, si vous lui dites je veux slash dev, l'environnement dev, vous voyez ici, vous recevez ce qu'il y a dans Application Properties, ce qu'il y a dans Customer Service Properties, mais qui sera masqué par Customer Service Dev.properties. Donc finalement, les paramètres X, Y qui vont être pris, c'est 1 et 2. Et puis la même chose, donc vous avez ici Account. Account service.properties. Ah, pas account service slash default. Slash default. Default. Account service slash default. Donc vous avez ici, voilà, account.properties et account service.properties. Et puis, si vous mettez slash dev, slash prod, vous savez comment maintenant. Dev, vous avez pour l'environnement dev, voilà pour account service qu'il va recevoir. Et pour l'environnement prod, voilà ce qu'on va recevoir. Voilà. Donc, vous voyez donc, en 5 minutes, vous créez le service de configuration.
On n'allait pas passer une demi-journée. Voici un service technique. D'ailleurs, on a fait la même chose pour la Gateway et Discovery. Vous voyez donc, config server, Gateway et Eureka Server, c'est Spring Cloud. C'est des services qui sont fournis par le framework Spring Cloud. C'est-à-dire, je ne vais pas passer une journée à faire ça. Bon, le service de config, il est fait. Alors maintenant, on va l'exploiter au niveau du microservice Customer Service. Alors, je reviens à Customer Service. Alors, dans Customer Service, donc, je vous rappelle que nous avons utilisé une dépendance qui est importante, c'est celle-là. C'est Spring Cloud Starter Config, c'est-à-dire Config Client. La dépendance Spring Cloud, c'est-à-dire avec ça maintenant, le microservice, il peut chercher sa config. Mais sauf que dans le fichier de configuration, si vous vous rappelez, on avait désactivé, vous voyez, vous vous rappelez, on a utilisé Spring Cloud Config Enabled à False. False, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a déjà demandé à plutôt, on avait déjà demandé à Customer Service de ne pas chercher la config parce qu'on n'a pas encore créé le service de configuration. Maintenant, on va mettre True. Et si vous mettez True, si vous voulez lui demander de chercher le reste de la configuration, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser Spring Cloud config import Spring Cloud config import, c'est pas que Spring Cloud config import Spring config import. C'est config, voilà, Spring config import. Et puis, il faut mettre optional, config server et après l'adresse. Spring config import, donc optional, config server, config. Server, deux points. Et l'adresse. C'est quoi l'adresse? C'est pour le moment c'est HTTP double slash localhost. On va lui dire va chercher la configuration au niveau de CNF, c'est ça? Voilà. Il va chercher la configuration au niveau de config server. Alors pour tester s'il arrive à avoir sa configuration, ben ce qu'on va faire c'est ça. On va créer un REST controller de test. Que je vais appeler config test contrôleur. Alors, comment savoir s'il a récupéré les paramètres de la configuration? Config, je renomme fichier. Ben, qu'est-ce que je vais faire? Donc, supposons que je vais afficher les paramètres A et B, P1, P2. Ben, je suppose par exemple c'est des paramètres de type int ou la int. Par exemple P1. Int P2. Int X. Int Y. Alors ça, c'est un REST contrôleur. Okay. Alors comment injecter, un paramètre de configuration dans une variable? Si, en utilisant la notation value. Je vous rappelle, ça c'est Spring. Value, ça permet d'injecter un paramètre. Vous mettez dollar entre accolades et vous mettez le paramètre que vous voulez injecter. C'est-à-dire que value, c'est-à-dire cherche-moi la valeur de ce paramètre dans le fichier de config, dans la config, et tu vas l'injecter dans la variable. Alors, dans notre cas P1, c'est comment on l'avait appelé le paramètre P1? Dans Application Properties, ici, on l'avait appelé c'est global.params.p1.
point P1. Ici, donc, je vais injecter P2. Là, je vais injecter X. Ici, je pense qu'on l'a appelé customer params.x, c'est ça? C'est ça. Voilà. Moi, je ne vais pas chercher. Je vous fais confiance. Alors, X. Et celui-là, c'est Y. Et bien, pour voir si on arrive à avoir cette configuration, on va créer par exemple une méthode qui permet de retourner un map de type string et entier par exemple. Alors, config test. Alors, config test, donc qu'est-ce que je vais retourner? Je vais retourner map, un objet map, dans lequel je vais avoir la clé, par exemple, A, voilà sa valeur A, B, voilà sa valeur. Alors, ici, c'est comment l'appeler P1? P1, ça c'est P1. P1, P2. Sa valeur c'est P2, A, X plutôt, X, sa valeur c'est X, Y, voilà sa valeur c'est Y. Alors pour faire ça, donc on va utiliser request get mapping config slash test config. Config test config. Alors je redémarre donc le service customer service alors déjà il faut toujours s'assurer que ça démarre bien. Déjà le fait qu'il démarre sans exception, ça veut dire que c'est un bon signe. Mais si vous regardez bien les messages, vous allez trouver quelque part comme quoi il cherche sa config. Ça, c'est, je te console, ça doit être le début, hein, parce que c'est la première. Oui, ça, c'est important. Vous voyez, donc, il vous dit bien qu'il est en train de chercher. Alors. Fin? Config, voilà, c'est ça. Vous voyez donc, il vous dit bien qu'il est en train de faire fetching config from server. Il est en train de chercher la config à partir d'un serveur. Alors ici, donc, si je reviens à mon browser, je vais demander à la gateway, via la gateway, je demande ici config test config. Ça marche. Donc je vois bien que mon service customer service, il a récupéré la configuration. Alors en fait, le fait d'utiliser donc d'utiliser donc value pour injecter valeur par valeur, ça peut être c'est une solution, mais ce n'est pas forcément le En fait, la meilleure, ça peut être un peu lourd d'injecter beaucoup de valeurs, mais généralement, quand on a une configuration, on va préférer créer une classe. Il y a une autre façon pour chercher la config, c'est d'utiliser une autre technique qu'il faut connaître. Alors ici, donc, je vais créer un package config. Une deuxième solution, dans lequel je vais créer une classe que je vais appeler par exemple global config. Global config. Alors en fait, global config, donc ça peut dans lequel dans global config je peux le déclarer en tant qu'un record. Bon, je peux utiliser les getters et setters. Mais vous savez que les records, ça permet de faciliter un peu les choses.
C'est-à-dire donc dans Global Config, je vais déclarer les paramètres. HNormal, les paramètres dont j'ai besoin, c'est int P1, int P2. J'ai deux attributs P1 et P2. OK? Et maintenant, je vais demander directement de me charger, la config. C'est-à-dire de me créer un bin global config à partir de la config. Alors comment on va faire ça? Ben vous faites, vous voyez ici, donc vous allez utiliser ouais, la notation configuration properties. Configuration properties. Et vous mettez ici le préfixe. Ajnawa, le préfixe. Alors, le préfixe, vous mettez, c'est global.params. Global.params. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au démarrage, de l'application, il va me créer un objet global config dont P1, à quoi est égal P1? P1 égale à quoi? Égale le paramètre global.params.p1. Et à quoi est égal P2? Égal global.params.p2. Donc c'est une façon d'injecter directement ici les paramètres de global params directement dans cet objet-là. Donc c'est très intéressant dans la config de créer des classes dans lesquelles on va grouper la config partie par partie. Alors, sauf que ici, il n'a pas accepté. Pourquoi? Parce qu'il faut activer, il faut dans votre application utiliser, il y a une annotation qui est enable config auto processor, enable config processor, enable configuration properties, voilà. Non. Alors ici. Scan. Voilà, c'est Enable Configuration Properties. Voilà, c'est ça. Donc, dans l'application, Enable Configuration Properties, et après, vous lui indiquez la classe. Alors, c'est quoi la classe? C'est global config.class. C'est comme si vous dites au démarrage, va traiter head la classe et va charger la config. Et s'il y a une autre classe, vous mettez virgule et vous mettez les autres classes. Et là, vous voyez ici, donc, là, il traite. Maintenant, si vous avez fait ça, dans notre classe, dans notre contrôleur, pour tester, au lieu de déclarer toutes ces variables comme ça, donc je vais déclarer tout simplement un objet de type global config. Et vous utilisez directement AutoWired. C'est-à-dire vous injectez global. Donc là, vous voulez utiliser la config, vous injectez global config. Et pour tester, donc vous pouvez créer une méthode qui permet de retourner global config, return global config. Alors ici, donc je vais utiliser get mapping slash global config et on va tester. Voyez donc, ça c'est la première solution. J'injecte les valeurs value. La deuxième solution, c'est tout simplement d'utiliser une classe qui contient déjà ces paramètres de configuration. C'est pareil, sauf que cette façon de travailler, c'est plus pratique. Vous allez voir, parce que souvent vous avez beaucoup de paramètres de configuration, n'est-ce pas? Au lieu d'avoir à chaque fois dans votre application value, vous injectez beaucoup de variables, tout simplement vous créez une classe qui regroupe toutes ces variables et après vous injectez les paramètres comme vous voulez. Alors je redémarre Customer Service. Et je teste. Alors pour tester, donc j'ai ici test config, ça marche. Et j'ai ici, comment on l'appelait? Slash global config. Global config. Vous voyez donc j'ai P1 et P2. Bon, ça marche.
C'est clair? Alors maintenant, on va tester quelque chose. C'est que maintenant, on va changer la config. On va voir est-ce que comment le microservice va se mettre à jour. Ben, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, je vais aller vers, regardez bien, je vais aller par exemple vers le paramètre P1. Je vais changer P1 égale, au lieu de 33, je vais mettre 8, 8, 8, 8. Et le paramètre P2, c'est 9, 9, 9, 9. Maintenant, j'ai changé, donc je dois faire un commit, n'est-ce pas? Oui, terminal. Alors, donc pour faire un commit, donc je vais faire encore git add point git commit moins m. Par exemple, le message c'est m2. Commit2, C2. Et maintenant, on va regarder. Parce que techniquement parlant, c'est-à-dire que la configuration, elle a changé. Si, d'ailleurs, si je regarde ici, si je fais là, je vois bien que P1 et P2, ils ont changé. Bon, ça, c'est pour le service configuration. Mais pour Customer Service, vous allez voir que lui, il n'est pas au courant. Config, c'est toujours 33. Ça veut dire que même si la config a changé, maintenant nous avons besoin de quoi? Il faut informer. Il faut faire, en fait, il faut informer Customer Service comme quoi la configuration a changé. Et qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Pour faire cette opération, il faudrait envoyer une requête avec POST vers Actuator slash refresh. Donc, il faut déjà avoir Actuator dans votre configuration. On l'a déjà. Dans Customer Service. Voyez donc, ici, voyez donc, je vous rappelle que Actuator, si vous mettez Management Endpoint Web Exposer Include égale étoile, ça veut dire que vous allez démarrer tous les endpoints de Actuator. Mais en réalité, on n'a besoin que de Health et de Refresh. Mais si vous ne les connaissez pas pour le moment, donc on a utilisé ces Health. Health, comme ça, virgule, refresh. Ça, on a besoin. Mais si vous mettez étoile, bon, ça, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, nous avons Actuator. Maintenant, pour informer le microservice, donc on va lui envoyer une requête HTTP avec POST. Alors, vous pouvez utiliser Postman, vous pouvez utiliser n'importe quel outil. Par exemple, avec IntelliJ, vous avez un client HTTP, créé HTTP Client, qui vous permet d'envoyer une requête HTTP avec quelle méthode? POST, ici, vers le microservice. Donc, British Software, le microservice, normalement, tu peux lui envoyer directement avec le port. Quel port? C'est 80? 80, 80, 81. N'est-ce pas? Slash Actuator. Slash Refresh, n'est-ce pas? Refresh, ça veut dire qu'on va lui demander de rafraîchir sa config. Et la config. Ça veut dire qu'il va encore envoyer la requête vers le service de configuration pour charger à nouveau la config. Si vous, donc là, vous contactez directement le microservice. Si vous voulez passer via la gateway, qu'est-ce qu'il faut mettre? Il faut mettre la gateway, c'est 8888888, slash customer. Service slash actuator slash refresh. Je suis en train de demander à Customer Service de rafraîchir sa config. Si vous envoyez cette requête-là, il y a quelque chose, regardez. Alors ici, donc ça c'est 404, ça veut dire que c'est pas bon. Actuator refresh Customer Service. Il y a un R qui manque ici. J'envoie la requête. Mais regardez la réponse. Donc il vous répond, il vous dit qu'il y a le paramètre P2 et P1 qui ont suivi là. Il a contacté le service config, et il a détecté que P1 et P2 ont changé. Donc il a récupéré P1 et P2. N'est-ce pas? Et ça, c'est ça l'intérêt du système de versionning. Donc
On peut savoir à travers la dernière version qu'est-ce qui a changé. Est-ce que c'est bon? C'est clair? Alors maintenant, mais par contre, si vous contactez, vous allez vers le microservice ici, vous faites actualiser, ça ne va pas marcher. Parce que même s'il a chargé la config, mais le bin qu'il a créé au départ, on va lui demander de le recréer à nouveau, de régénérer. Et c'est là où vous aurez besoin d'utiliser la notation qui s'appelle Refresh Scope. Alors, au niveau du contrôleur, vous aurez besoin d'utiliser dans le contrôleur la notation Katsma Refresh Scope. Refresh Scope, ça veut dire que vous êtes en train de dire à c'est-à-dire à ce contrôleur, si jamais la configuration a été rechargée, ben, tu vas rafraîchir l'injection, les bins. Tout ce qui est l'injection ici, il va le mettre à jour. Alors, on va vérifier. Mais pour vérifier, donc, il faut qu'on redémarre. Parce qu'on a changé le code ici. Customer Service. Donc, bon, pour le moment, bien sûr, on va avoir la dernière version. Ce n'est pas la dernière version, mais on a une erreur. C'est la configuration de Tesla. Même. Passage def customer rest. Alors, ici 404, Customer Service. Est-ce que Customer Service est démarré? Il est démarré. Customer Service. Alors, Customer Service slash Customers. Ça marche. Global config. Bon, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Hein. Donc, ici, de toute façon, j'ai la dernière version. Mais le problème, c'est parce que on a redémarré, donc il a cherché la config. Maintenant, on doit refaire le travail. C'est-à-dire, on va encore changer pour vérifier. On doit changer le paramètre P1 et P2. Au lieu de ça, je vais mettre 5454. Ici, je vais mettre 8787. Je change. Et au niveau de la console, je vais faire encore add commit C3. Donc j'ai changé le commit. Et maintenant, j'ai besoin de faire encore. Je vais lui demander de faire refresh, n'est-ce pas? Alors ici, donc, avec cette requête-là, j'envoie la requête vers le microservice Customer Service. Ben, il a fait le refresh. Alors maintenant, si je contacte ici, avant c'était ça, mais maintenant, alors ici, ça n'a pas donné. Alors, est-ce qu'on a contacté Customer Service? Oui. On a sûrement oublié quelque chose. Alors, P1 et P2. Customer Service. Est-ce que customer service Et non, il est démarré. Parce que la preuve, c'est s'il n'est pas démarré, il ne va rien donner. On est d'accord? ici, on a dit que les propriétés du scope de TF test configuration. Alors, latin, je vois scope finder, effectivement. TF configuration, TF Alors, customer rest control. ouais, chez les refresh scope, chez les has. D'ailleurs, vous voyez ici, oui, refresh scope, c'est dans la classe du contrôleur. Donc ça c'est réglé. Alors customer service. Oh, regarde. Alors j'ai ici donc les paramètres. Est-ce qu'on a contacté le bon? Bon, j'ai contacté. On a contacté customer service actuator refresh. Bon, si on lui demande de faire un refresh, cette fois-ci, il va nous dire, voilà, il n'y a rien qui a changé. Bon, c'est normal. Donc, le problème, c'est qu'il n'a pas, il n'a pas rafraîchi le... Alors, config, customer service.
global slash global config. Donc c'est que ce qui n'a pas fonctionné, c'est refresh scope ici. Est-ce qu'on a redémarré le microservice après avoir ajouté refresh scope? Peut-être là j'ai redémarré un autre microservice, peut-être. Alors customer service, je redémarre et on refait. Donc, il n'y a pas de raison que pour que ça marche pas. Alors, ici, donc, j'ai. Si, je pense qu'on a redémarré. Alors, il n'a pas encore complètement redémarré. Donc, ça doit être juste. Parce que ça, c'est pas normal. Ça doit être juste un problème de cache, le browser. Global config. Oui, donc c'est juste un problème de. Alors je reprends. Donc ici, je vais changer dans la config. Alors ici, on va changer les paramètres application properties. Je vais mettre cette fois-ci 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2. Et on va faire un commit, add commit. On va faire refresh. Et là, ce client-là, on l'a fermé. Elle est là. Donc, j'envoie la requête. C'est bon, il a détecté que les paramètres ont changé et sans redémarrer. Alors ici, donc, ce que je vais faire, c'est que ça c'est juste, ça doit être un problème de cache, je pense. Si. Alors qu'est-ce qui se passe? Customer. Si. Alors config, global config. Attendez, je vais appeler 80 81 et je vous dirai après. Alors normalement, ça aussi, ça devrait marcher. Bon, ici, il n'y a rien qui se passe. Application properties. Je change, je fais commit. Refresh. Ça c'est fait. J'actualise. Donc notre refresh scope n'a pas fonctionné. C'est un peu bizarre parce que normalement, ça refresh scope. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui? Ah, on a qui fâche là. Qu'est-ce que j'ai changé? J'ai changé P1 et P2. Non, j'ai changé de toute façon. Regardez, je vais appeler test config. Vous avez raison. Peut-être si j'appelle test config, ben oui. Donc les paramètres ils sont là, n'est-ce pas? Donc c'est-à-dire que en fait il est bien injecté. Le seul problème qui est. Quel est le problème de la récolte lorsque tu initialises
Non, en fait, moi je vais vous dire, en fait, ici on a utilisé le RefreshScope pour ces injections, mais je dois faire un RefreshScope sur le bin, c'est ce que j'ai oublié. C'est-à-dire D'accord. celui-là, je vais lui dire Refresh, RefreshScope. D'accord? Alors je reprends, je redémarre, config sur, plutôt Customer Service. Bon, déjà, on voit bien, ça c'est les paramètres qui sont là. P1, c'est les derniers paramètres. On va les changer. P1 et P2. Donc, je vais mettre 1, 1, 1, 1, 1, je vais mettre 9, 8, 9, 8. Ici, je vais mettre 3, 2, 3, 2. Et puis, je fais donc add, commit. Et puis, je fais refresh. Donc là, c'est bon, il fait refresh. Et puis, si j'actualise normalement, hop, vous voyez, donc je n'ai pas besoin de redémarrer. Il a récupéré les données. Et si je fais test config, global config plutôt. Global config, vous voyez, c'est bon. Hein, non? Ça n'a pas changé. Donc ça veut dire que nous avons, il récupère les paramètres, ça veut dire que ce bin-là n'a pas été réinstancié. Vous avez envoyé un poste à 80 81. C'est ça. Directement. Wahed 80, il y a le microservice Customer Service, donc il n'y a pas de problème. Alors, global config, donc là, c'est pas un problème. Normalement, aussi à component. Non, ici, donc ça tient pas. Ici, c'est global config. Peut-être, c'est un problème d'IL record, non? Non. Alors, global config. Oui. Monsieur, est-ce que parce que les records sont immutables, c'est parce que n'ont pas changé les paramètres Oui, PAP. je suis en train de penser de la même façon que toi, sauf que le problème c'est que ça, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire, ça marche. Donc, ce qui fait, ben, je vais en classe. Je vais utiliser une classe au lieu d'un record global. Ici, donc, je vais utiliser mes attributs. Int P1 et int P2. Alors, ici, donc, pour le moment, je vais utiliser donc les getters. Etc. Voilà. Bon, ça c'est un constructeur sans paramètres et un constructeur avec paramètres. Donc là, j'utilise une classe au lieu d'un record. Je redémarre. Alors, Customer Service. Alors, votre collègue, il faut bien qu'on pense à la question parce qu'elle est très intéressante. Parce que les records, c'est des objets qui sont immutables. C'est-à-dire, ils n'ont que les getters, il n'y a pas de setter. N'est-ce pas? Il n'y a pas de setter pour les paramètres. Ça, vous devriez le savoir. Un record, c'est un objet qui est immutable. C'est-à-dire, il n'y a que les getters, il n'y a pas de setters. Donc, et votre collègue, il pose la question, c'est parce que peut-être. Avec le record n'a pas de setter parce que normalement quand la config est rafraîchie, donc on va confirmer ce qu'il a dit. Peut-être c'est la raison.
Alors, donc je redémarre Customer Service. Bon, c'est déjà fait. Alors, pour l'essentiel pour nous, c'est que test config et on a les paramètres de configuration qui sont là. On va changer la config P1. On va mettre 0,9 et P2, on va mettre 0,6. En fait, 19 et 16. On fait un add et un commit. On va demander de faire un refresh. C'est bon, il a détecté que ça a changé. Là, on n'avait pas de problème. Vous voyez, donc ici, il met bien à jour. Donc ici, donc, ça prouve déjà qu'on est en train de faire la configuration à chaud. À chaud, ça veut dire quoi? Le microservice a changé la config sans avoir besoin de redémarrer. Alors maintenant, voyons pour Global Config. Ça marche. Donc ça veut dire que ce que je viens de... La question de votre collègue, elle est pertinente. C'est que moi, j'ai utilisé le record. Le record, c'est un bin qui est immutable. N'est-ce pas? Il n'y a pas de setter. Donc ça veut dire que même si la config a changé, en fait, le refresh scope n'a pas trouvé les setters pour modifier les informations sur la config. Donc voilà, donc n'utilisez pas les records pour... Si oui. C'est une... Parce que parfois, avec les... justement, les records, ça permet de réduire la syntaxe. Généralement, mais c'est toujours c'est important de le savoir. Donc ça, c'est intéressant. Donc je reprends une deuxième fois. Alors, donc ici, je change la config. 5, 5, 5. 8, 8, 8. Je fais un commit. Je fais un refresh, donc là je peux passer via, parce que là il n'y a aucune raison pour que ça marche pas, je peux passer aussi via la gateway customer service slash actuator slash refresh. Je vais lui demander de rafraîchir sa configuration. Ça c'est bon, j'actualise et bien ça marche. Est-ce que c'est clair? Alors maintenant, nous avons, avec cette démo, vous devrez comprendre comment ça marche, comment centraliser la config. Mais maintenant, nous, qu'est-ce qu'on va mettre dans les fichiers de config? Ben, on va regarder. Alors pour Customer Service, voyez, regardez Customer Service, qu'est-ce qu'il a? Dans Application Properties, bon, on va garder que ça. Mais ça, c'est pour la base de données. Donc, tout ce qui est dans tous les microservices, par exemple Spring, H2 Console, Enabled, vous voyez, ça c'est global, n'est-ce pas? C'est la même chose pour tous les microservices. Default Zone. Management. Contrôle X. Alors, toutes ces propriétés-là, où est-ce que je vais les placer? Dans le fichier application.properties, c'est ici. C'est quoi? Parce que ça, ces paramètres de configuration, ça concerne tous les microservices. Ben, du coup, donc, je vais les supprimer. Je vais aller vers account service. Account service.properties. Pas ici. Account service. Vous voyez donc tous ces paramètres-là. Donc ça, je supprime parce que c'est déjà dans centralisé. Ça, c'est centralisé. Ça, c'est centralisé. Et ça, c'est centralisé. Et ça, c'est centralisé. Mais par contre, il faut lui demander comme on a fait avec Customer Service. Il faut ajouter cette ligne. C'est-à-dire, va chercher le reste de la configuration. Au niveau de Spring Cloud Config.
OK? Alors, par exemple, ici, pour la configuration de la base de données, où est-ce qu'on va le placer? On va le placer dans le fichier accountService.properties. Ici. Donc, pour accountService.properties, voilà la base de données. Et pour customerService.properties, par exemple, CustomerDB, la base de données, la configuration de la base de données, on va la placer où? On va la placer dans le fichier customerService.properties. Vous voyez donc, mais maintenant ce que j'ai fait, donc si je regarde la configuration des microservices, customer service, qu'est-ce que je trouve? Je trouve que ça et le reste de la config, c'est. Va le chercher chez l'autre service de config. Et la même chose pour account service. Alors sa configuration, il n'y a que le nom et le port et le reste, il va le chercher. Alors maintenant, on a modifié, donc on va faire un commit. On redémarre les microservices. On va les redémarrer. On va redémarrer. Alors, c'est les services, ils sont là. Alors, account service, customer service. Redémarrer. Et account service. Donc ça a l'air de marcher, mais pas de problème. Alors la preuve, si je consulte, bon, la config, ça on a testé. Si on demande customers, c'est bon. Si on demande account service. Accounts, ça marche. Slash account slash ID. Ça marche. Eh bien, donc nous avons, malheureusement, on a perdu notre dessin. Si on revient à notre dessin, donc maintenant on a complété l'architecture que nous avons ici. Voilà. Donc vous avez Spring Cloud Config, vous avez en fait les Customer Service, vous avez les autres services, la communication. On a aussi utilisé donc Resilience4j donc pour la partie de Circuit Breaker. Et donc ça vous donne une idée sur les fondamentaux. Donc si vous arrivez là, vous implémentez ce use case, c'est que vous connaissez déjà l'essentiel concernant les architectures microservices. Vraiment, vous avez touché au problème majeur. Bon, après, il reste des petits détails, il reste d'autres choses dont on va parler, et particulièrement le déploiement. Parce que, comme vous le constatez ici, tout ça c'est bien, mais vous démarrez manuellement les microservices dans la même machine, etc. C'est un peu compliqué parce que. Il faut savoir en fait l'ordre. Il faut démarrer d'abord Discovery, ensuite démarrer tel service, etc. Mais ça, il faut absolument passer par les choses manuelles. Et comme ça, vous allez comprendre l'utilité des outils DevOps. Parce qu'après, on va commencer à utiliser Docker pour voir un peu comment on va essayer de faire. C'est ce que je vais vous montrer dans l'étape suivante. Il est 11h, donc juste après la pause. C'est quoi? Monsieur, donc, on va prendre, monsieur. Oui, à moins s'il y a des questions, on va prendre la pause et après, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre ces services-là. Donc, je vais créer un. Ah, j'ai oublié quelque chose d'important. Parce que pour le moment, notre repo, il est local. Mais ce n'est pas toujours une bonne chose. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un repository GitHub. Donc, je vais créer un repository new.
que je vais appeler. Je vais l'appeler par exemple bank account git config repo. Config repo. Je peux l'appeler comme je veux. Donc je crée donc ce repository. Voilà son adresse. Donc je prends git remote et je vais faire un push. Ici, donc dans mon repo, je vais faire git remote. Donc voilà le repo remote. Et je vais faire git push. Push origin main, la branche main. Maintenant, mon repo, il est là. Il est dans GitHub, actualisé. Vous voyez donc notre configuration, elle est dans un repository GitHub. Maintenant, on va demander au microservice de chercher, plutôt on va demander à Spring Cloud Config de chercher sa config sur cette adresse-là. D'accord? C'est un peu c'est-à-dire, on va lui demander, voilà, de chercher la config ici. Copier l'adresse. Et pour le faire, donc on va vers config service. Et vous voyez ici, donc je vais, au lieu de mettre ça, n'est-ce pas? Alors je vais quand même copier cette ligne. Je vais la mettre en commentaire. Contrôle V. Je supprime ça. Et je vais mettre ça. Donc maintenant, ça c'est bien. C'est-à-dire maintenant notre service de configuration, il va chercher la config ici. Alors on va redémarrer le service de configuration. Voilà, donc il cherche la configuration. Alors nous avons notre... Alors, global config, bon, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, si vous changez, vous voulez changer la config, ben, vous allez vers n'importe quelle machine, vous faites clone, vous allez vers le fichier, vous changez. Par exemple, ici, on va mettre 333 et 3333. Et vous allez vers Customer Service, vous changez X 87, Y, vous mettez 90. Vous allez faire commit, git add commit, n'est-ce pas? Mais attention, tant que je n'ai pas fait maintenant push, c'est-à-dire si vous faites refresh, ça va pas changer, n'est-ce pas? Vous voyez, il n'y a rien qui a changé. Pourquoi? Parce qu'on a changé dans le repository local. Maintenant, il faut pousser vers le remote repository. C'est-à-dire, il faut faire, push. Maintenant, il faut le pousser vers le repository. Donc, une fois qu'on le pousse vers le repository, si vous faites refresh. Vous voyez donc qu'il a détecté que tous ces paramètres ont changé. Et là, c'est maintenant intéressant. Donc, si vous actualisez, vous voyez donc ça, c'est bon, ça marche. Test config, ça marche. Bon, c'est parfait. Alors, donc, voilà. Donc, ça, c'est l'architecture que nous avons implémentée. Vous voyez, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir déjà comprendre ce que c'est l'architecture microservice. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un repository GitHub dans lequel je vais pousser cette... ce code source. Donc
on va créer un repository qu'on va appeler account, bank, bank account bank account microservice and setup. Voilà. Plutôt donc c'est master BDCC app. Voilà. Donc ça, je crée le ce repository. OK. Et je vais faire alors, du moment que j'ai créé, regardez, j'ai créé tous les microservices à l'intérieur d'un seul projet. Et là, ça devient plus, plus simple d'aller vers le dossier principal, root folder, ici. C'est-à-dire sur bank account. Et je fais, voilà, donc je fais git init. Git add point. OK. Git commit first commit et on va faire un push. Vers ce repository là. Git remote add origin. Et puis git push origin main. Alors vous allez trouver, regardez, vous allez trouver tous les microservices là. Vous voyez? Donc vous avez account service, vous avez ça, vous avez ça, vous avez ça, sauf oui, gateway, vous avez tout ce. Tout, par exemple, vous allez vers customer service, vous allez trouver le code source. Alors tout ce code source qui est là. Tout ce que nous avons fait, il est là. Alors, bien sûr, vous, vous ne faites pas copier-coller, parce que ce que je vous demande, c'est de faire vous-même. Mais de temps en temps, quand vous avez des petits problèmes, vous pouvez jeter un coup d'œil sur ça, ça va vous permettre de faciliter la création de votre configuration.